Il fut un temps où il mangeait du poulet et de la viande rouge toutes les semaines. Mais ces dernières années, depuis que David a été licencié, il y a du pain et du fromage au petit déjeuner, des pâtes pour midi et à nouveau du pain le soir. C'est comme cela presque tous les jours. Selon les estimations de la Tête, une organisation qui chapeaute plus d'une centaine d'associations de bienfaisance, en 2005, le nombre de familles de la classe moyenne qui ont besoin d'être aidées a augmenté de 20%. Kava Hesed, directement du cœur, vers tous ceux qui sont dans le besoin. Kava Hesed a été fondée en 1996 par le Rav Eliyahu Marciano, choqué par la détresse de beaucoup de gens, des gens affamés qui récupéraient les restes de nourriture sur les tables, des enfants qui allaient à l'école la faim dans le ventre. La règle d'or de Kava Hesed, c'est de donner une réponse immédiate et individuelle à toutes les demandes grâce à l'aide de nombreux bénévoles à travers tout le pays. Distribution quotidienne de sandwichs dans les écoles, distribution hebdomadaire de produits alimentaires à des centaines de familles pour les Shabbats et les fêtes, déguisements et Mishloach Manot à Pourim, cartables, stylos, crayons et tout ce qu'il faut pour bien commencer l'année scolaire. Assistance pour les personnes âgées et les enfants, soutien médical pour les handicapés, aide financière aux futurs mariés. Quand le Rav Marciano croise la détresse, il entre immédiatement en action pour apporter de l'aide en étroite collaboration avec le comité spirituel de Kava Hesed. L'organisation est guidée par les encouragements et les bénédictions des grands sages d'Israël. Nous faisons tout avec respect, discrètement. Il y a de nombreuses familles qui, pour toutes sortes de raisons, n'arrivent pas jusqu'au bureau d'un travailleur social. Parfois par gêne, parfois parce que ce sont des cas limites. Ils ont besoin d'aide, mais n'y ont pas droit. Et il y a de nombreux cas où les gens ont besoin de davantage que ce qu'ils reçoivent déjà. Kava Hesed à l'appareil. Même sous les missiles Katyusha, dans le nord et sur la ligne de front, Kava Hesed n'a pas renoncé à distribuer de la nourriture, des bonbons, des vêtements et des jouets dans les abris. Kava Hesed est avec vous tout le temps, en toutes circonstances. La guerre s'est terminée et la bataille pour la survie a commencé. Distribution de légumes à la veille de Rosh Hashanah à Kiryat Shmona et Naharia. Shaul, qui fut jadis un de ceux qui avaient besoin d'aide, s'en est sorti. Et il est devenu un de nos bénévoles. Durant les attaques de missiles pendant la guerre dans le Nord, des cadeaux et des paniers repas ont été distribués sur la ligne de front et à travers tout le pays. Ces dons ont reçu la bénédiction personnelle du Rav Ovadia Yosef pour que cette année soit douce et bonne. Shana Tova et Chag Sameach. La maison familiale des Giladi a été victime d'un incendie il y a 2 semaines. Le père a réussi à sauver ses enfants des flammes, mais l'un d'eux est mort de ses blessures. La famille n'a nulle part où faire la shiva. Kava Hesed, l'organisation qui vient en aide aux familles en détresse, soutient cette famille qui se retrouve sans rien. Kava Hesed est conscient des besoins spirituels d'un grand nombre de familles qui ne peuvent pas s'acheter des téfilines ou s'offrir une fête de bar mitzvah. Chaque année à Hanouka et Shavuot, une cérémonie de bar mitzvah est organisée devant le Kotel Maharavi pour des dizaines d'enfants issus de familles soutenues par Kava Hesed tout au long de l'année. Lors de cette cérémonie,
une paire de téphilines est offerte à chaque garçon. Kava Chesed à l'écoute pour le peuple d'Israël. 02 582 42 42.